Comment optimiser Windows 11 en 2024 pour gagner en performance, gagner en bande passante réseau et conserver sa vie privée vis-à-vis -vis de Microsoft. Je vous explique tout ça dans cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Salut tout le monde, c'est Ardoifra. Dans cette vidéo je vous montre comment optimiser Windows 11 en 2024. J'ai déjà fait plusieurs tutos précédents d'optimisation de Windows 10, donc si vous êtes toujours sur Windows 10, Allez regarder plutôt cela. Et si par contre vous êtes sur Windows 11 comme moi, cette vidéo est faite pour vous. Je précise que les réglages montrés dans cette vidéo sont totalement safe et donc vous n'avez aucun risque d'endommager votre machine ou de causer des problèmes. Je vais pas rentrer dans les détails vraiment techniques pour justement vous éviter d'avoir des problèmes. Donc première chose qu'on va faire, c'est nous rendre dans les paramètres Windows. On va se rendre du coup dans le bouton démarrer puis ensuite paramètres. Une fois qu'on est dedans, donc là il faudra bien veiller à avoir la dernière mise à jour de Windows. Donc pour ça vous vous rendez dans Windows Update, vous faites rechercher la mise à jour. et vous vous installer tout ce qu'il y a. Moi actuellement, je suis en version 23H2, c'est pour ça que j'ai cette interface là qui n'était pas dans les versions précédentes. Voilà, si vous avez une interface différente, mettez à jour votre Windows et vous aurez, du coup, comme moi. On va commencer par la catégorie Système. Donc vous allez cliquer juste là à gauche et ensuite vous allez aller directement dans Notifications. Là-dedans, vous allez tout désactiver et cocher Ne pas déranger. Donc vous allez faire comme moi, tout simplement. Ça va éviter que Windows vous envoie des notifications qui sont gênantes et qui prennent des performances. Après, donc dans Système, il n'y a rien de particulier à faire. On va se rendre directement dans Personnalisation. Une fois que vous êtes là-dedans, vous allez vous rendre dans Couleurs et vous allez donc désactiver le mode de transparence. Si vous êtes sur PC portable et sur PC fixe, mais surtout sur PC portable, vous allez devoir mettre le mode sombre pour conserver de la batterie, tout simplement parce que votre écran sera moins allumé, donc vous allez moins consommer. Donc si vous êtes sur PC portable, mettre le mode sombre, c'est une bonne idée. Si vous êtes sur PC fixe, c'est votre préférence. Moi perso, je préfère en sombre. Le reste, on s'en fiche. On va se rendre directement dans Applications, puis Applications installées. Et ensuite, là, vous allez avoir la liste des applications installées sur votre PC. Merci à Super de sponsoriser cette vidéo. Super c'est un site qui vend des clés et des licences. Windows ainsi que des jeux vidéo, des applications. Ici, ce qui nous intéresse le plus, c'est la licence Windows 10 Pro. Donc, comme vous pouvez voir, elle est à 20 euros 18. Et avec mon code promotionnel SPHG, vous aurez moins 25% sur toute la boutique. Et en plus, pendant cette période, c'est les Halloween sales. Ensuite, il vous reste plus qu'à mettre la licence dans le panier. Vous allez bien taper le code SPHG tout en majuscule et faire apply. Et une fois que c'est fait, vous avez juste à payer par carte bancaire, PayPal, etc. Pour activer Windows sur votre PC, vous allez vous rendre dans les paramètres Windows, puis système, et ensuite activation juste là. Alors, modifier la clé de produit, vous allez juste juste copier-coller pour vous, ce sera beaucoup plus rapide. En Faites suivant, suivant, activer. Ensuite, ça va vous mettre que ça a été activé à l'aide d'une licence numérique. Donc, je vous mets les liens en description si vous êtes intéressé. Et merci encore une fois à Super et d'avoir sponsorisé cette vidéo. Sur ce, on retourne au sujet principal. À savoir que préinstallé avec Windows, vous aurez énormément d'applications de Microsoft qui ne vous serviront sûrement jamais. Euh, ce qu'il faut faire, c'est bien évidemment les désinstaller, celles qui sont inutiles. Je les ai déjà désinstallées et je ne peux bien évidemment pas les réinstaller. Pour la vidéo juste pour pouvoir les supprimer après euh, donc ce que vous faites c'est que vous cherchez toutes les applications qui sont inutiles là-dedans et vous allez les désinstaller à savoir que euh, sur windows 11 quand vous avez des, des applications préinstallées elles vont faire toutes 8 ou 16 kilo -octets. donc il faudra absolument que vous les supprimiez donc je vais prendre un exemple voilà là par exemple c'est une extension microsoft qui fait 16 kilo octets donc toutes les applications euh, de 8 ou 16 kilo octets vous pourrez les supprimer sauf si vous en avez besoin là en l'occurrence ça je le garde mais il y a plein de choses type euh, solitaire ou euh, contact Microsoft ou Mail Microsoft etc. Tout ça, vous pouvez le désinstaller. Ça vous fera de la place et ça vous évite d'avoir des applications sur votre PC dont vous ne vous servirez jamais. Euh, une fois que vous avez fait ça, c'est tout dans l'application. on va se rendre directement dans jeu. L'optimisation a pour but d'augmenter les performances, de gagner de la bande passante réseau et de conserver votre vie privée. Ce n'est pas uniquement pour les gamers. Et donc si vous êtes gamer, vous allez désactiver la game bar. Ici. Donc vous vous rendez dans Game Bar, vous désactivez ça, c'est la barre de jeu tout simplement. Euh, je vous conseille de la désactiver. Dans capture, séparez vous désactivez tout ce qui est là-dedans, vous mettez tout au minimum. Et dans mode de jeu, donc si vous êtes joueur, vous laissez activer comme moi. Si vous n'êtes pas joueur, si vous travaillez uniquement sur votre PC, vous le décochez, ça ne vous servira à rien. On va se rendre ensuite dans euh, Confidentialité et Sécurité. Les autres euh, catégories ne sont pas euh, importantes ici. Et donc, on va euh, voir chacune de ces catégories qui sont juste là. Je vais tout vous expliquer en détail. Donc, dans Général, vous allez tout décocher. Euh, parce qu'il y a uniquement des réglages en fait, qui sont euh, facultatifs. Juste en dessous, donc, vous revenez dans Confidentialité et Sécurité. Vous allez dans Entrée manuscrite. Et là, vous allez décocher cette case aussi. Dans Historique des euh, Diagnostic, par contre, je ne vais pas sauter une case. Euh, vous, pas, vous faites pareil, vous désactivez tout. On retourne à Confidentialité. Historique des activités, vous faites la même chose, vous désactivez. Ça va être pareil pour voix, vous allez tout désactiver. Même chose pour filtre de recherche. Donc là, vous mettez sur désactiver et vous décochez tout le reste. Localisation, vous pouvez désactiver la localisation de Microsoft. Ça va donc ne plus envoyer la position de votre appareil à Microsoft, ce qui va donc vous faire gagner des performances puisqu'à chaque fois, il est obligé d'envoyer les informations et de la bande passante réseau. Parce qu'à chaque fois ces informations passent par le réseau. Et ça évite aussi de savoir euh, ça évite aussi à Microsoft de savoir où vous vous situez. Ce qui est donc encore une fois euh, conserver sa vie privée. Dans caméra cette fois, si vous n'utilisez jamais la caméra, donc jamais de webcam, si vous n'avez pas de PC portable, etc. désactivez-le. Si vous avez par contre une webcam, que vous avez un PC portable, donc une webcam intégrée forcément. Euh, si vous faites souvent des vidéos, des choses comme ça, laissez bien ça activer, sinon vous ne pourrez plus du tout logiciellement. Euh, utiliser une caméra. Donc, si vous utilisez une caméra, même jusqu'une une fois dans l'année, vous l'activez. Si vous n'utilisez jamais de caméra comme moi, vous le désactivez. Je vais me rendre ensuite donc à nouveau dans Confidentialité Sécurité. Microphone, c'est la même chose. Si vous utilisez votre microphone, vous laissez absolument activer la case du haut en tout cas. Les autres, c'est pas nécessaire. Si vous n'utilisez jamais de microphone et que vous ne risquez pas d'en utiliser, vous pouvez désactiver. Voilà, si je décoche ça, vous ne m'entendrez plus du tout, donc je le laisse absolument activé. Mais en ce qui concerne la caméra, j'en ai pas besoin, donc je le retire. À nouveau, notifications, vous allez désactiver ici, ça va vous éviter d'avoir des notifications pénibles de Microsoft qui prennent des performances et de la bande passante puisque ça utilise le réseau. Informations sur le compte, vous désactivez, c'est la même chose. Euh, ensuite, on va dans contacts, pareil, on désactive tout. Calendrier, vous désactivez, ça ne vous empêche absolument pas d'utiliser le calendrier juste là. L Historique des appels, c'est pareil, vous désactivez. C'est un peu pénible hein, sur Windows 11, on est obligé de retourner à confidentialité, de scroller tout en bas et de revenir. C'est un peu chiant, mais bon, ils ont fait ça comme ça, tant pis. Quoi électronique, c'est pareil, vous désactivez. Tâche, vous désactivez aussi. Euh, ensuite, donc message, même chose, vous désactivez. Radio, ce sera la même chose. Donc radio, c'est où, c'est là. Vous désactivez aussi radio, ça ne sert à rien. Vous allez ensuite dans autre appareil. Ça, par contre, autre appareil, vous ne touchez pas, vous laissez bien activer, ça peut vous causer des problèmes si vous le désactivez. Si vous connectez un nouvel appareil, par exemple. Voilà, laissez ça activer par contre. Diagnostic de l'application, cette fois vous désactivez à nouveau. Euh, ensuite, téléchargement automatique jusqu'à système de fichiers, vous ne touchez pas, ça peut vous causer des problèmes. Donc les 4, 5 ici, pardon, vous les laissez. Activation vocale, ça c'est l'assistant Cortana, vous désactivez absolument, donc comme moi. Ça par contre, c'est le réglage microphone que je vous ai montré précédemment, donc on laisse activer. En tout cas dans mon cas, si vous n'utilisez pas le micro, ce sera désactivé. Appel téléphonique, même chose, on désactive. Et après tout ce qui est en dessous, il n'y a rien à faire. Pensez bien à mettre votre version de Windows à jour. Donc là, vous pouvez voir que moi, je suis à jour. Et donc c'est tout pour cette vidéo optimisation de Windows. Donc je ne rentre pas dans les réglages qui peuvent être dangereux pour votre machine, des réglages trop avancés. C'est vraiment des réglages qui sont faisables directement depuis les paramètres de Windows, qui sont donc accessibles et faits pour être accessibles. Ça vous fait donc gagner en performance, en bande passante réseau, encore une fois, parce que ça évite d'envoyer des données à Microsoft via le réseau, et en vie privée, puisque vous conservez vos données personnelles, euh, du moins le maximum possible, via les paramètres Windows. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura aidé. Si vous avez gagné des performances, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour me soutenir, mettre un like sous cette vidéo pour le référencement, la partager à vos proches et me suivre sur tous les autres réseaux sociaux, donc à savoir TikTok, Instagram, Twitter, Twitch, mon serveur Discord aussi, tous les liens sont dans la description. Si vous avez des questions, besoin de conseils, etc., c'est sur mon serveur Discord et vous pourrez aussi retrouver tout mon matériel dans mon lien Linktree en description aussi. Sur ce, c'est tout pour cette vidéo, je vous dis à la prochaine, à plus pour une nouvelle. Allez, ciao